Donc il me semble que la réponse à une société qui est plus diverse, qui, beaucoup plus de, qui se perçoit comme diverse et qui se perçoit comme fragmentée, ce sont aussi les institutions politiques qui créent l'appartenance. Parce qu'à la fin, la fonction des institutions politiques, c'est aussi de créer de la communauté, de créer de l'appartenance à des sociétés qui peuvent être sociologiquement, par leur préférence, par toutes sortes de raisons, de plus diverses. Voilà, j'arrête. Voilà, très rapidement, merci beaucoup. Emmanuel Rivière, ce sentiment d'appartenance, justement, ce même un peu que décrit Jean-Pierre Ferry, est-ce que vous pouvez nous en parler du point de vue de votre organisme de sondage et voir un peu comment vous percevez les choses? Merci, bonjour. Merci du reste de m'avoir invité à parler de France dans 10 ans. Comme vous venez de le rappeler, Sandrine, je partiens d'une profession à qui on reproche souvent, parfois avec raison, d'avoir du mal à dire ce qui va se passer le dimanche qui suit. Dans 10 ans, c'est un défi. Mais il se trouve que dans le travail très important qui a été effectué par le commissariat général à la stratégie et à la prospective, il nous a été confié une petite brique qui consistait à interroger les Français, rassemblés physiquement, hein, dans le cadre de réunions de travail, pour les faire parler de la France dans 10 ans, et puis d'ailleurs les faire réagir à ces mises de jeu que vous aviez imaginées. Mais préalablement, bon, je vous posais l'exercice. Comment vous voyez la France dans 10 ans? Et là, ils étaient confrontés à une vraie difficulté. Parce qu'évidemment, ils avaient envie d'imaginer du mieux, des progrès, une société préférable à celle dans laquelle ils se sentent aujourd'hui. Et ils étaient dans la capacité de le faire. Parce que la lecture que beaucoup de Français, très grande majorité de Français, a aujourd'hui, non seulement de la situation de leur pays, mais de la trajectoire, c'est celle d'une trajectoire régressive. Sur tout un tas de domaines, les domaines fondamentaux, notamment l'indicateur qui est le chômage et la croissance, qui pour le coup est lu au pied de la lettre comme étant forcément quelque chose de bien par beaucoup de gens, mais également la manière dont notre système de protection sociale, auquel on est très, très, très attaché, est perçu comme très fragile, très menacé, probablement susceptible de se dégrader. Je ne reviens pas sur le vivre ensemble, qui est un élément effectivement très préoccupant de la situation et de l'évolution perçue par les Français sur ce que pourrait être la France de demain, ce sentiment de division, à la fois lié au groupe d'appartenance, mais aussi une espèce de tension dans des catégories sociales très homogènes entre ceux dont on dit qu'ils se comportent bien, parce qu'ils contribuent, qu'ils font des efforts, et les autres qui seraient des profiteurs. C'est une thématique qui est en train, très dangereuse hein, cette thématique. On sait qui elle nourrit de prendre beaucoup d'importance dans la perception des Français. Et donc il y avait vraiment beaucoup de difficultés à se représenter la France dans 10 ans sous un jour positif, et en même temps c'est quand même ça qu'on a envie d'imaginer. Mais ce qu'on touchait du doigt, là, c'est la manière dont la notion même de progrès a été fragilisée au cours des dernières années. On ne se met plus implicitement dans la trajectoire dans laquelle on a vécu à peu près toute leur vie active, où il y avait une espèce de linéarité du progrès, et chaque génération avait des conditions de vie supérieures à celles de la génération qui avait précédé. Il n'y a guère que deux domaines dans lesquels les gens sont à peu près confiants dans l'idée qu'on va encore faire des évolutions positives, qui sont celles de la santé et celles aussi de l'innovation dans les énergies renouvelables, qui semblent être une promesse d'un avenir meilleur. Mais tout en étant confronté à cette difficulté, ces gens qu'on a interrogés, plusieurs dizaines, quand on leur a expliqué l'exercice et pourquoi et pour qui on travaillait, c'est extrêmement ragaillardi, soulagé de savoir que quelque part quelqu'un pensait à la France de dans 10 ans. Parce que c'est un autre des problèmes qu'on constate quand on interroge les Français dans cette question sur laquelle vous m'avez interrogé, sur leur rapport à la démocratie. C'est qu'ils ont l'impression que là-haut, aux manettes, il y a des gens qui ne voient guère plus loin qu'eux, ni plus clair. Et ça a été fortement fragilisé au moment de la crise financière de 2007 et 2008, qui, à bien des égards, économiste que vous êtes, mais par les jeux de mots, est une crise du crédit. Mais y compris du crédit accordé
aux élites, qui n'ont rien vu venir. Tous ces gens très bien formés, très sachants, très bien payés, qui semblent avoir été démunis du jour au lendemain, disant, alors, il se passe un truc là. C'est grave. Mais attention, on va en tirer les leçons, tout va changer. Ce ne sera plus du tout comme avant. Il y a des gens, tas de gens très importants qui ont dit ça. On allait faire un nouveau bateau de mousse, etc. Et comme chacun l'a constaté, le sentiment l'a constaté, il ne s'est rien passé. Et il y a là eu une fragilisation durable du rapport aux gouvernants, du rapport aux élites, et qui, je pense, a accéléré quelque chose qui peut être assez vertueux, c'est une modification du rapport de force. Finalement, ils ne sont pas si doués que cela, alors ça a des effets extrêmement pervers et fragilisants pour la démocratie, mais c'est aussi un effet de responsabilisation sur les citoyens et sur la prise de conscience chez les plus volontaires d'entre eux, une possibilité de participer. Donc on a ce constat d'une fragilité, d'une difficulté évidemment d'avoir des gens qui réfléchissent pour nous sur ce qui va se passer dans 10 ans, et qui restait au moment de m'interroger au stade d'une impossibilité, qui contraste avec deux choses. D'une part, c'est bien connu, il faut toujours l'avoir à l'esprit, un maintien de l'optimisme individuel qui reste quand même assez élevé. Moi, je vais m'en sortir, finalement, je ne me sens pas si mal aujourd'hui, comment ça va continuer. C'est vraiment le collectif qui est en panne dans le pays. Et le fait que, quand, parmi les exercices qu'on leur proposait, on demandait ce qui avait bougé depuis 10 ans, c'est une manière de se rassurer sur la possibilité de voir des trajectoires, de regarder ce qui a évolué. Les gens ont le sentiment pas grand-chose, alors qu'en fait, il y a des choses très très fortes qui ont évolué. Un des éléments qui a, depuis 10 ans, profondément changé de vie, vous faisiez allusion, c'est quelque chose qui tient dans la poche, c'est plus le mien. Mais voilà, c'est ça, qui offre des accès qu'on n'avait pas encore il y a 10 ans, et qui donc change le quotidien, mais qui change le quotidien au-delà du simple fait d'avoir de l'information, de discuter avec ses amis, de jouer dans les transports en commun, qui change aussi des modes de consommation. C'est un des phénomènes qu'on observe avec le plus d'intérêt, c'est que les gens sont en train de réviser leur manière de consommer, à la fois dans les fêtes et dans les consciences, en valorisant fortement, par exemple, les filières courtes. 70% des gens nous disent aujourd'hui, je privilégie les filières courtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 70% des fruits et légumes aujourd'hui qui circulent sur les filières courtes. Oui, évidemment, entre ce qu'on pense devoir répondre au sondeur parce que c'est la bonne réponse, et ce qu'on fait, il y a un gap. Pas chaud, je vous le conseille. Mais déjà, penser que c'est la bonne réponse, c'est bien. Et c'est le début de quelque chose. Et il est en train de se passer de la même chose. 64% des Français qui sont allés au cours des 12 derniers mois sur un site de vente ou d'achat en ligne d'objets de seconde main ou de troisième main. Et bien, je pense que ça dit des choses aussi sur la croissance, cette espèce d'économie, du recyclage. Et on peut imaginer que l'autre innovation technologique qui est en train d'arriver, qui est l'imprimante 3D, par rapport à cette volonté de faire revivre des objets, par rapport à cette volonté de faire soi-même, hein, regardez ce que signifie l'explosion des émissions sur la cuisine, etc. C'est ce goût de faire à la maison, du fait par soi-même, je suis en train de redonner une vie à mes objets, avec la possibilité de télécharger une pièce détachée et d'imprimer chez soi en 3D. Tout ça fait qu'il y a des évolutions, mais dont les Français ne semblent pas être conscients, mais qui vont avoir beaucoup de choses, dans le domaine de la consommation, je crois, et dans le domaine aussi de la citoyenneté de dans 10 ans. Je pense que, je vais te laisser la parole, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que je ne voudrais pas être trop long, il y aura un rapport à la démocratie aussi, qui sera probablement différent dans 10 ans, qui est déjà en train de changer, qui n'est plus un rapport d'assentiment, comme on pouvait l'avoir par rapport à des sachants qui déroulaient, et des mandants, une fois qu'ils avaient voté, ils disaient « Ok, ça ne peut plus, je crois que ça ne pourra plus fonctionner comme ça. » Alors, en tout cas, j'ai envie de m'inscrire positivement dans ce scénario qui a des effets pervers, mais aussi des effets vertueux. Bien, après ce constat, que moi je trouve quand même en partie un peu angoissant, mais c'est mon côté pessimiste, sans doute, évidemment. Je vais passer la parole à Michèle Bellon pour qu'elle complète peut-être un peu cette perception, notamment sur les questions environnementales. Oui,
bonjour, merci. Et effectivement, moi je vais peut-être cibler un peu sur une partie du rapport que j'ai trouvé passionnant. Hein, passionnant parce que il met en perspective et il associe des pièces d'un puzzle là, que on lit plus ou moins dans la presse, mais cette fois-ci avec une véritable explication, avec un travail d'expert, avec une objectivation, avec des indicateurs quantifiés qui permettent justement de prouver et d'étayer ce qui a été fait. Et c'est vrai que moi, ce qui est mon métier, ce qui a été toute ma vie, puisque j'ai fait 40 ans dans l'énergie, c'est la question de la France dans 10 ans. Elle ne se pose pas simplement au niveau de la France, elle se pose au niveau de l'Europe, elle se pose au niveau du monde entier. Et c'est particulièrement vrai dans tout ce qui concerne les problématiques énergétiques, mais également les problématiques climatiques. Parce qu'on pourrait faire tous les miracles qu'on veut en France, on ne va pas arriver à résoudre les problèmes de la planète si on ne se mobilise pas et si on n'arrive pas à convaincre les autres. Alors en ce qui concerne l'énergie, moi ce qui me semble particulièrement important, c'est qu'on a vécu des problèmes, on a vécu des chocs successifs, hein, le choc pétrolier en 73, où en 73, tout le monde a pris conscience qu'on était super dépendant du fioul et du pétrole du Moyen-Orient, que les prix pouvaient exploser et qu'il pouvait y avoir une pénurie. Et là, on est parti dans des campagnes massives sur la chasse au gaspillage. Chasse au gaspillage qu'on a oublié depuis, alors que c'est au contraire devenu d'une actualité cruciale aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure des années, on est tombé sur des années où, il y a à peu près 10 ans, on parlait du peak oil. On disait, attention, on va bientôt avoir un véritable problème parce qu'on est en train de consommer plus de ressources que ce que la Terre en a produit pendant des milliards d'années. Et donc, les ressources, c'était les ressources fossiles, c'était le charbon, le fioul, le pétrole, le gaz, c'était également l'uranium. Mais on était en train de se dire, attention, on consomme plus que ce qu'on est capable de produire et ce que la Terre est capable de générer. 10 ans plus tard, on ne parle plus de peak oil. Pourquoi ? Parce que d'abord, on y a réagi avec les énergies renouvelables et qu'on a commencé à utiliser de façon de plus en plus importante des énergies qu'on avait sous la main, c'est-à-dire le vent et le soleil. Et puis aussi, un autre événement qui, lui, par contre, sur le climat, a un impact considérable, le gaz de schiste. Alors, aujourd'hui, l'Europe est un peu isolée dans tout ça parce que les États-Unis, avec le gaz de schiste, et c'est écrit clairement dans ce rapport, est en train de devenir autodépendante. C'est-à-dire que les États-Unis ne vont plus avoir besoin à terme du Moyen-Orient parce qu'ils ont des ressources naturelles importantes. Il y a des phénomènes géopolitiques importants où en ce moment on constate que la Russie et la Chine sont en train de faire alliance sur le gaz. Et la Russie a signé un énorme contrat gazier pour la Chine. Et la question qui se pose derrière, c'est quid de l'Europe ? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est un conglomérat de pays qui ont chacun leur politique énergétique différente. Et bon, la France, certes, est autosuffisante grâce au nucléaire. Les énergies renouvelables se sont de plus en plus développées et vont continuer à se développer. Mais on peut considérer que la France est aujourd'hui quasi suffisante. Mais que sera la France dans 10 ans? Que sera la France dans 25 ans? Mais si on va de plus en plus vers les pays d'Europe centrale, on se rend compte que ces pays-là sont terriblement dépendants de la Russie puisqu'ils importent massivement. 80% pour l'Autriche, par exemple, importe son gaz de Russie. La Slovaquie, 100% de son gaz est importé de Russie. Et les phénomènes géopolitiques que nous vivons en ce moment, l'instabilité géopolitique avec les phénomènes qu'on constate entre l'Ukraine et la Russie, qu'on constate avec l'émergence d'un État islamique, qu'on constate avec les conflits entre Gaza et Israël, montrent qu'il y a une véritable fragilité sur l'énergie. Et une fragilité qui se traduit par un risque en matière d'indépendance énergétique. Alors on n'y pense plus aujourd'hui parce que quand on allume la lumière, il y a de l'électricité. Et on ne pense plus qu'on pourrait avoir des restrictions sur les énergies, pas seulement l'électricité, mais sur le gaz, sur le chauffage. Et on n'y pense plus du tout parce que c'est antinaturel. Forcément, l'énergie, c'est accessible à tout le monde.
plus ou moins cher, les prix changent, mais c'est accessible à tout le monde. Alors ce rapport a le mérite de poser clairement la question de cette urgence énergétique et de l'urgence qu'il y a à définir une politique énergétique européenne. Parce que ce qui s'est passé dans l'énergie, c'est que il y a une quinzaine d'années, on a introduit avec la dérégulation des marchés beaucoup plus de concurrence. Les sociétés qui y étaient des sociétés nationales dans tous les pays d'Europe, que ce soit l'Enel, EDF, RVE, E.ON, que ce soit en Angleterre, toutes ces sociétés qui étaient des sociétés d'État parce que l'énergie était considérée comme un besoin vital, et donc c'était des fonctionnalités d'État, ont été privatisées. La plupart d'entre elles ont été mises en bourse, et avec des critères de choix, d'arbitrage des investissements, qui ne sont plus du tout les mêmes, parce que dès lors qu'on est en bourse, eh bien, il faut penser à une autre forme de rémunération du capital, il faut penser à avoir un résultat net positif, et il faut arriver à servir des dividendes à des actionnaires. Donc on abandonne petit à petit la notion de service public essentiel. Donc sur l'énergie, on est typiquement dans des problèmes où on a oublié qu'il pouvait y avoir des drames, qu'il pouvait y avoir des catastrophes, la situation qu'on vit actuellement est une situation qui me semble grave et qui mérite un véritable ressort européen. Il faut que l'Europe arrive à se mobiliser pour avoir une politique européenne tout en respectant certains critères de choix du mix énergétique, mais au moins que les interconnexions, que les politiques soient concertées au niveau de l'Europe. Un autre sujet important dans ce rapport, c'est l'urgence climatique. Qui a un lien très fort avec l'énergie, bien entendu, mais aussi avec les questions de biodiversité, parce qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, ce sont les phénomènes qu'on constate par exemple en Chine, où la pollution en Chine est telle qu'il y a de plus en plus de malades et de morts par la pollution atmosphérique. Et c'est vrai que la priorité en ce qui concerne le climat, on a mélangé toutes les priorités. On a voulu faire de l'efficacité énergétique, on a voulu faire des énergies renouvelables et on a voulu réduire les émissions de CO2. Je crois que la première des priorités, c'est déjà de réduire les émissions de CO2 pour que le monde reste vivable. Il reste vivable au niveau de la respiration, au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'activité. Or, tous les experts, le GIEC y compris, sont d'accord pour dire qu'on va vers une élévation moyenne de la température de 2,5 à 4 degrés. Cette élévation de la température va avoir des conséquences dommageables partout dans le monde, avec la fonte des glaciers, avec la montée du niveau de la mer, avec les dérèglements climatiques et les phénomènes climatiques de grande envergure, et que dans ce dérèglement climatique, c'est peut-être pas 100% lié à l'activité humaine, mais on a la conviction qu'au moins les deux tiers de ce dérèglement climatique et de ce réchauffement sont liés à l'activité humaine et industrielle. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a eu des sommets, Rio, Kyoto, tout ça, ça a été des grands messes avec 7000 personnes. Il n'en est pas sorti beaucoup. Simplement, aujourd'hui, la population est consciente de ces changements climatiques et je pense que le terreau est prêt pour qu'on fasse vraiment quelque chose pour éviter une aggravation de ces dérèglements climatiques. Ça va s'aggraver, les tendances sont parties, mais on peut minimiser les impacts, et ça me semble l'affaire de tous. Alors, le rapport parle aussi beaucoup d'un développement responsable, d'un développement soutenable, et moi ce qui m'a frappé, et ce qui me touche personnellement, c'est que dans ces réflexions à 10 ans, on essaye de transcender un petit peu les calendriers politiques, électoraux, les législatives, les sénatoriales, les présidentielles. On essaie de se dire qu'est-ce qu'on veut tous à 10 ans, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants dans 10 ans. Est-ce qu'on va leur léguer un patrimoine qui leur permettra de vivre ou est-ce qu'on est en train de consommer ce qu'ils pourraient avoir besoin demain? Et je pense que dans ces réflexions-là, il faut vraiment qu'on ait ce sentiment d'urgence sur le fait que si on ne bouge pas maintenant, si toutes les forces vives de la nation, que ce soit les élus, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les citoyens, que ce soit les ONG, que ce soit les industriels également, il faut que tout le monde se mobilise
au-delà des convictions politiques de court terme, pour travailler sur le long terme et pour assurer un avenir à notre jeunesse. Et ça, ça me semble vraiment une question de méthode, une question de façon de s'y prendre, et non pas depuis les décisions de l'État. C'est trop facile de dire c'est la faute à l'État ou c'est la faute au gouvernement, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Je pense vraiment que c'est le problème de tous, de quelque couleur qu'on soit, de quelque conviction qu'on soit, mais c'est vraiment le problème de tous de se mobiliser, favoriser l'initiative locale et de faire en sorte que tous nous soyons des ambassadeurs d'un véritable projet de reconstruction d'une France dans laquelle les Français soient fiers d'être Français et non plus déprimés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le message que j'avais envie de délivrer parce que c'est des convictions profondes et je crois qu'on a tous vraiment un rôle important. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, justement, le rapport La France en 2025 évoque des pistes de solutions qui sont soumises aux politiques et qui doivent s'en saisir ou pas. Donc, la parole maintenant vous est donnée. De ce rapport, des conclusions qui en tirent et de cette France dans 2025 avec l'importance de l'Union européenne que l'on vient de rappeler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer un peu le monde ? Bien, merci. Apparemment, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, puisqu'on a passé ce débat au début de la journée. Donc, première chose, je n'ai pas lu le rapport. Mais ce que Jean Pisani nous en a dit, m'a donné envie de lire, et donc il me l'a donné, donc je vais quand même prendre le temps de le lire. Donc, je crois que c'est important qu'on mette cet exercice, et surtout à l'horizon de temps qui est indiqué là. Autrement dit, on reste quand même dans une dimension, dans un horizon de temps opérationnel. Ce n'est pas simplement de la futurologie. Donc, je crois qu'il faut s'en réjouir. Au premier point que je voudrais soulever, et ça ne vous surprendra pas, c'est que je raisonne peut-être de manière un petit peu différente. Donc, je regarde un petit peu dans mon action politique quelles sont non seulement les évolutions, mais quels sont les risques de discontinuité. C'est-à-dire qu'on peut toujours tirer les courbes un peu plus loin, la politique est inchangée, mais à un moment, il y a des phénomènes de seuil, il y a des phénomènes de rupture, et j'identifie en tout cas comme menace principale en termes de rupture, c'est la bombardement social, c'est-à-dire la bombardement des inégalités, et ça, il suffit d'être Piketty pour le voir. C'est la bombardement environnemental, notre empreinte écologique, ça a été évoqué, et la bombardement, enfin, les multiples bombardements géostratégiques, on l'a évoqué il y a un instant. Ce sont des éléments qui peuvent nous empêcher de simplement tirer les courbes et qui peuvent provoquer des ruptures qui rendent toute spéculation sur ce qui se passerait à 10 ans un petit peu futile. Et donc, l'approche que je privilégie pour ma part de plus en plus dans mon action politique, c'est comment rendons-nous nos sociétés résilientes à ces ruptures possibles, ou comment faisons-nous pour désamorcer ces bombardements dans la mesure où nous pouvons le faire. Et pour moi, c'est de plus en plus ça qui doit orienter l'action politique. Il y a des tendances lourdes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui provoquent, je pense, des risques de rupture très graves. Et donc, ça crée évidemment dans le chef du politique un sens de l'urgence qu'on a un petit peu moins qu'en simplement se contentant de prolonger les courbes. Et je pense que c'est comme disait votre président, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans. C'est maintenant que les mèches de ces bombardements sont allumées. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport à la croissance. Alors là, j'ai un point de divergence sans doute avec Jean. Je n'oublie pas que les 30 ans de croissance modérée qu'on a eu après la fin des 30 glorieuses sont des années de croissance totalement artificielles, c'est-à-dire construites sur de la dette financière, et pas seulement publique, très largement privée, sur de la dette sociale, sur de la dette environnementale. Et donc dire « je ne remets pas en cause l'idée même de croissance », moi je suis d'accord parce que les exemples que tu as cités, c'est en fait des exemples de progrès, améliorer le niveau d'éducation, améliorer le niveau de santé, etc. Ce sont des progrès. Mais je ne pense pas que la question soit « est-ce que ces progrès génèrent de la croissance du PIB ?» Et donc, deuxième enseignement, deuxième ligne directrice de mon action politique, c'est comment est-ce qu'on invente un système de vivre ensemble qui n'est plus dépendant de la croissance pour son équilibre. Autrement dit, comment est-ce qu'on invente une fiscalité, le financement de la sécu, le fonctionnement de la société, je dirais en état stationnaire, et pas dépendant de la croissance pour tout simplement fonctionner.
Alors ça a des implications en termes de système monétaire, par exemple, mais ce n'est pas évidemment ici qu'on va débattre. Troisième élément que je voulais soulever par rapport à ce qui a été dit par notre sondeur dont j'ai oublié le nom, c'est cette caractéristique peut-être un peu française de psychologie du déclin, de se dire qu'on ne peut pas se projeter en avant parce que, en fait, demain sera moins bien qu'hier. Et c'est vrai que quand on est un peu rationnel et qu'on regarde les tendances lourdes, on se dit que les risques de rupture grave, d'explosion, de déclin sont réels. Je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas garanti que demain sera meilleur qu'hier. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant que politique pour répondre à ça? Un, je crois que c'est faire preuve d'une compréhension du réel. Autrement dit, beaucoup trop souvent, le discours, et on l'observe, on en discutera dans le débat tout à l'heure, le discours de ce qu'il faut bien appeler la classe politique est un discours qui est déconnecté du réel, c'est-à-dire qui méconnaît les tendances lourdes que chacun d'entre nous, comme citoyens, pouvons ressentir. Et donc, lorsqu'on fait preuve de déni de réalité, quand on dit la croissance est bientôt là, Hollande, il y a un été, parce qu'il y avait eu 0,02%, 0,5% de croissance au deuxième trimestre, parce qu'on avait consommé plus d'énergie fossile, il disait, allez, alléluia, on y arrive. Mais quand on fait preuve d'un tel déni de réalité, ben, on est tout simplement pas audible. Hein, donc, oser faire le diagnostic de la société telle qu'elle est. Deux, non pas prétendre qu'on a la solution sur plan, parce qu'elle n'existe pas, et donc merci à France Stratégie d'oser l'essai d'indiquer des pistes, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est indiquer des pistes de solutions et montrer ce qui marche déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des acteurs de changement dans la société qui incarnent ce changement. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on gamberge en chambre. Ce sont des choses qui se passent déjà aujourd'hui. Mais j'en viens à la troisième chose qui pour moi est sans doute la plus essentielle. Sachant que nous sommes confrontés à des risques existentiels pour nos sociétés, quelles sont les conditions d'acceptabilité des changements importants que nous allons devoir mettre en œuvre? Je dirais, elles sont au nombre de trois. Un, c'est l'efficacité. Autrement dit, personne n'est prêt à accepter des changements importants dans son mode de vie, de fonctionnement, si ces changements ne donnent pas un résultat à des... ne remplissent pas des objectifs mesurables. Personne n'a envie de se crever pour rien, fondamentalement. Si les efforts qu'on demande ne donneront pas les résultats, par exemple, de retour à la croissance qu'on promet, à quoi bon? Pourquoi est-ce que je vais, moi, me mettre en quatre pour, finalement, un objectif illusoire? Un, deux, c'est, et c'est probablement le paramètre le plus important pour le vivre ensemble, c'est la justice. Autrement dit, est-ce que les épaules les plus larges portent la part la plus large du fardeau? Non pas que les épaules les plus étroites ne doivent rien porter, mais simplement que les efforts soient répartis de manière juste. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça n'est, de nouveau, les éducatifs, ça n'est absolument pas le cas, et ça va dans le sens inverse. Et donc, on a une société qui vit de plus en plus l'idée que quand bien il y a de la croissance, elle profite à 1, 2, 3% de la population, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, si la politique, si ma démocratie travaille finalement pour 1, 2 ou 3% de la population, à quoi bon la démocratie? Et troisième élément, et donc c'est l'élément démocratique, c'est la légitimité des changements qu'on veut mettre en place. Autrement dit, est-ce que la manière dont ces changements ont été délibérés est une manière que j'estime acceptable? Et ça, je pense que ce sont trois conditions que le politique doit être capable de remplir. Un petit parallèle avec ce qu'on a fait en Grèce, voilà un pays où on a imposé des changements drastiques. Eh bien, ni en termes d'efficacité, ni en termes de justice, ni en termes de légitimité, ces conditions sont remplies. Et donc, est-il surprenant que le changement ne soit absolument pas accepté? Et donc voilà, je crois que ce sont des réflexions importantes qui me mènent alors à ma conclusion. C'est évidemment la question démocratique, parce que la quatrième bombe à retardement, c'est celle-là. C'est dès l'instant où nous vivons dans une société où le politique est très largement décrédibilisé parce qu'il donne l'impression de rouler pour lui-même. Autrement dit, la première obsession du politique, c'est de garantir en fait, de pouvoir tirer sa propre épingle du jeu, c'est-à-dire de conserver son mandat ou ses mandats et de rester dans le jeu. Eh bien, le risque qu'on a, évidemment, c'est une rupture démocratique. C'est le fait que nos démocraties, d'une manière ou d'une autre, dans les 10 ans qui viennent, se fassent à raquérir. Et ça n'est pas un scénario tout à fait invraisemblable. Alors, l'histoire ne se répète jamais absolument. Mais je crois qu'il vaut mieux, imaginer le scénario du pire pour mettre en place des actions qui sont à la hauteur du risque maximal de manière à l'éviter.
Mais je pense que ce risque existe. Je veux dire, dans ce pays-ci, on a vu le résultat d'un parti comme le Front National. On a des sondages qui mettent Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017. Bien, je pense que ça n'est pas simplement des rêves en chambre ou des cauchemars en chambre. Je pense que ce sont des risques réels. Dès l'instant où j'ai l'impression comme citoyen que cette démocratie travaille contre moi, alors essayons autre chose. Donc je pense que c'est ça en tout cas moi les réflexions que j'ai lorsque j'entends cet exercice de prospective à 10 ans. Donc je crois que c'est absolument important de le faire. Mais j'y ajouterai donc une dose d'urgence et peut-être une dose de penser en dehors des sentiers battus. Et en particulier dans le domaine fiscal, où je pense que c'est le chantier numéro un qui peut donner des résultats à relativement faible échéance. Je regrette que la promesse ou le souhait de François Hérault de remettre la fiscalité française à plat n'ait pas été suivi des faits. Animé dans cette configuration du bregageur, j'aime beaucoup l'idée de faire des efforts partagés. L'idée de partager les efforts et de faire en sorte qu'il y ait un message extrêmement fort là-dessus, parce qu'il y a des efforts à faire, mais que tous y participent et tous y participent en fonction de ces moyens. Je trouve que l'idée est extrêmement intéressante. Cécile, je vais passer la parole là-dessus, parce que je pense que c'est un des fondements qui peut faire entendre l'écologie politique comme une solution aux crises que vous voyez. Merci. Oui, alors en fait, effectivement, l'idée de ce forum naît du rapport qui a été donc piloté par Jean Pisani-Ferry, qui est pour la première fois, je crois, un rapport d'une organisation officielle qui conseille le gouvernement et qui, pour la première fois, écrit en toutes lettres qu'il faut interroger la question de la croissance. Et pour dire les choses, moi qui l'ai lu, qui ne le connais pas par cœur, j'ai découvert ça avec une espèce de bonheur en étant... déjà préparé en ouvrant le document en disant « alors les pistes pour retrouver la croissance ». Et là, j'ai été très surprise. Alors effectivement, le début de cette histoire, c'est il y a exactement un an, un séminaire du gouvernement, où l'idée et l'intuition du Premier ministre était de dire « il faut arrêter de se positionner uniquement dans l'ultra-court terme, essayons de réfléchir, donner un horizon et d'expliquer et d'orienter nos politiques en fonction du long terme ». Alors ça ne peut que séduire les écologistes, parce que nous défendons qu'on ne peut pas avoir des réactions et des réponses à court terme. Mais, et c'est intéressant quand on écoute ce qu'a dit Emmanuel Rivière, c'est que je crois qu'effectivement, il y a aussi aujourd'hui, dans un moment démocratique extrêmement perturbé, finalement, de façon assez paradoxale, et face à l'urgence, l'attente d'un horizon de moyen terme. Parce que dire, et c'est très bien de le dire, dans 10 ans, ceux qui entreront sur le marché du travail sont au collège. C'est très réel et très concret. En gros, on dit aux gens, travaillez pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et tout le monde comprend bien que des annonces à court terme, on va, l'inversion est maintenant, la courbe va reprendre, etc. Tout ça apparaît comme assez vain. Et finalement, le courage que doivent retrouver les politiques, de mon point de vue, c'est d'oser assumer un discours de moyen-long terme. Et je pense que les citoyens sont plus sensibles à ça, parce que je fais le lien avec ce qu'a dit Emmanuel Rivière tout à l'heure sur la crise du crédit accordé aux élites. Je crois qu'il y a intuitivement la compréhension que la difficulté de la situation, qui est liée à ce qu'a dit Michel Bellon sur la gravité de la crise, sur la compréhension des conséquences du dérèglement climatique, ça ne pourra pas se résoudre en 2 heures, voire en 1 trimestre. Tout le monde intuitivement comprend ça. Et je crois que la force aujourd'hui du discours politique, c'est d'oser assumer le moyen terme. Et en même temps, dans un univers médiatique qui est surdéterminé par aujourd'hui, demain et après-demain, c'est très complexe. Donc c'est cette tension-là qu'on doit gérer, et de mon point de vue, on doit la gérer pour 3 raisons. Pour une première raison, qui est la question de la jeunesse. C'est vrai que, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, Jean Pisani-Ferry l'a dit aussi, les moins de 30 ans n'ont jamais connu la croissance. De moins de 30 ans n'ont jamais connu la croissance, ça n'existe pas. Et les moins de 40 ans n'ont jamais connu un autre discours politique que celui de la crise. Ceux qui sont nés après 1973 ont vécu exclusivement dans la crise et dans le chômage. Donc c'est vrai que finalement, c'est pas qu'ils s'y sont habitués, c'est que de dire que tout d'un coup tout va s'arranger du jour au lendemain, personne ne peut y croire. Et donc ils sont finalement sans doute plus prêts à entendre un sujet qui soit un sujet de moyen long terme. Et là, ce que dit Philippe est parfaitement juste, c'est les travaux de Piketty,
c'est la réalité française. La réalité française européenne, c'est une aggravation des inégalités. Des inégalités territoriales et des inégalités sociales. Et de dire qu'on a abaissé les inégalités, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, en termes territoriaux, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs un des facteurs du vote pour le Front National, c'est que les inégalités entre les régions, les 22 qui existent pour l'instant en France, se sont réduites, mais elles se sont accrues au niveau infra-régional, voire au niveau infra-agglomération. On discutait hier soir avec Éric Piolle, qui disait que dans la ville de Grenoble, pas l'agglomération, il y a des quartiers où le mètre carré est à 4500 euros, dans certains quartiers de Grenoble, et d'autres, le quartier de la Villeneuve par exemple, où les appartements ne se vendent pas à 850 euros le mètre carré, dans la même ville, aussi bien desservie par les transports en commun. Donc il y a, parce qu'il y a eu une spatialisation des inégalités, il y a eu une assignation à résidence des uns et des autres, et donc il y a ce sentiment aussi du déclassement, ce sentiment de ne pas être considéré à l'égal des autres. Il y a aussi un discours politique autour des métropoles qui a valorisé le fait qu'à part 3-4 grandes villes en France, le reste, c'était pas grand-chose, sans dire qu'il n'y a aucun imaginaire autour de la ruralité, voire de l'hyper-ruralité. Bref, on a aggravé le sentiment de non-appartenance et d'un destin qui est un destin qui est finalement pas du tout enthousiasmant. Ensuite, il y a évidemment, et là Michel Bellon en a parlé, la question du défi industriel et énergétique. Je voudrais juste dire qu'on n'est pas indépendant énergétiquement quand on importe notre manure, mais ça c'est notre désaccord et ça date depuis 1989. Mais surtout, on a, et sans doute que là, j'ai eu très récemment les conclusions d'un collège de météorologues qui travaillent sur les travaux des climatologues sur l'impact du dérèglement climatique et qui montrent un impact qu'on n'a pas encore mesuré, enfin deux impacts. Un, sur la fragilisation du transport aérien avec l'augmentation des turbulences et des difficultés. Et deuxièmement, un qui peut avoir des conséquences encore plus importantes, c'est l'augmentation des vagues, dont la hauteur de vague va passer à des niveaux de plus en plus importants, avec aujourd'hui des bateaux qui ne sont pas du tout capables d'affronter les tempêtes telles qu'elles sont en train de se dérouler sur les océans. Ce qui va aller assez vite. Ce qui veut dire que là aussi, on a des impacts très directs sur notre mode de consommation, qui est un mode de consommation basé sur l'importation d'un certain nombre de biens de grande consommation qui viennent aujourd'hui de Chine, la plupart du temps, et par la mer. Donc c'est vrai qu'il y a ces interrogations-là qui ne sont pas encore vues, mais qui peuvent avoir un effet assez rapide, y compris sur la manière de produire et les lieux de production. Donc la question, c'est d'abord comment on arrive à engager politiquement cet horizon-là. Et je le dis, et là je prends à titre d'exemple, le tout petit exemple de la loi Allure, quand on fait des réformes qui sont des réformes de structure, qui ont vocation à avoir des résultats au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que la sanction qu'on vous pose, c'est les chiffres de la construction du mois suivant, c'est certain qu'on a du mal à porter un discours politique. Et en même temps, notre pari et mon pari, c'est que finalement, il y a une attente plus importante d'un discours à moyen long terme. C'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et pourquoi, comment ne pas tomber dans ce piège-là? Je pense que une des vraies interrogations, mais je crois que vous l'avez tous évoqué, c'est la question du rapport aux élites et du rapport au modèle. C'est-à-dire que le retour vers un âge idéal où la croissance allait tout résoudre et finalement tout allait bien se passer, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit parce qu'il n'en a pas fait l'expérience, mais plus personne n'y croit aussi parce que le discours politique s'est disqualifié. Parce qu'on a toujours dit qu'on allait, voilà, qu'on va faire baisser les impôts alors que dans quelques jours, les gens vont recevoir une feuille d'impôt avec des impôts qui augmentent. Et que finalement, les gens ne sont pas complètement hostiles à cette idée-là s'ils ont l'impression de savoir que ça ne sert pas simplement à boucher des trous dont on a le sentiment qu'ils vont sans cesse s'aggraver, mais qu'il peut y avoir un investissement sur l'avenir. Et la question du modèle. On a souvent parlé du modèle social français. On va défendre notre modèle social. Quand les inégalités s'aggravent, qu'est-ce que ça veut dire le modèle social? Le modèle norvégien, le modèle X. Et finalement, tout le monde sent bien que la réalité, ce n'est pas d'appliquer un modèle, c'est d'essayer d'inventer des solutions. Et d'inventer effectivement un horizon qui est un horizon mobilisateur. Et donc il me semble, et comme ça je ne déborderai pas Sandrine pour qu'on puisse avoir un dialogue avec la salle, que notre responsabilité politique, c'est de pouvoir remettre du moyen et du long terme dans l'horizon politique et défendre qu'on puisse mener des politiques et des réformes qui ne vont pas obtenir de résultats immédiats. Et je pense que c'est ça l'essentiel et l'enjeu, c'est la particularité des écologistes, mais je pense qu'il faut l'élargir et qu'il faut l'élargir aussi
dans une autre manière de gouverner, pas dans une logique totalement descendante de sachant qu'il dit voilà, c'est exactement ce qu'on va faire, mais dans une logique de partage, d'explication des raisons qui amènent à prendre telle et telle décision. Je ne crois vraiment pas que dire simplement, avec autorité, le cap est bon, on va le poursuivre, on va aller plus vite, plus loin, plus fort, ça suffit ni à rassurer, ni à donner l'espoir. Je pense que c'est à peu près le contraire qu'il faut faire, dire que parfois on peut faire des erreurs, qu'on va essayer, qu'on fait ça pour telle et telle raison, qu'on explique ces décisions, que si on change d'avis, on les justifie. Moi, je crois qu'il faut une autre pratique politique. On l'a bien défendu au niveau local. Il y a en parallèle de nous le débat sur les maires écologistes, et je crois que la démonstration a été faite à Grenoble qu'il y a une appétence pour aussi une autre manière d'exercer les responsabilités. Et je pense qu'il faut qu'on essaye d'imaginer et de défendre que ça puisse aussi exister au niveau national. Ça fracasse de façon évidente un modèle présidentialiste quasiment royaliste qui est le nôtre, mais je crois qu'on est aujourd'hui, après le mandat de Nicolas Sarkozy, après les 2 ans tels qu'on vient de les vivre, au bout du bout d'un système démocratique qui fait reposer sur les épaules d'un seul le destin d'une collectivité, que plus personne n'y croit, et que donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut déconstruire, justement pour permettre de se donner les moyens d'atteindre un objectif ambitieux. Merci. Alors, en effet, l'objectif à 10 ans, l'intérêt, c'est que c'est extrêmement concret et que, parce que nous, notre discours écolo, c'est beaucoup plus loin et en général, les gens ont plus de mal à se projeter là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a des questions justement sur les politiques à suivre à 10 ans? Alors, comme nous sommes dépendants d'un fil, soit tu viens ici pour poser la question, soit tu essayes d'avoir une voix de ténor et de parler de ta place, c'est comme tu préfères. Deux. Allez, Jacques, Antoine, alors c'est bien qu'il y ait des femmes qui posent des questions. Oui, je n'ai pas encore le rapport, mais j'ai écouté attentivement ce qui vient d'être dit. J'avais 3 questions très précises. La première, sur la honte de la pauvreté évoquée par les uns et les autres, et je suis écologiste, bien entendu, et conseiller général de l'Île-de-France, il y a en gros 6 millions de personnes qui vivent en pauvreté en France, sur les critères, voire 12 sûrement d'autres critères. C'est les personnes qui ne consomment pas, ou mal, ou très mal, et qui ont devant elles une société qui montre ces boutiques comme sont en ville de Bordeaux ici. Et je trouve que nos écologistes n'avons pas assez réfléchi, alors je ne sais pas si c'est une démarche canadienne, mais comment redonner une capacité minimum à ces gens-là à pouvoir maîtriser simplement leur quotidien, leur capacité simplement à acheter le minimum. Et je pense qu'il y a une question qui est majeure aujourd'hui, y compris dans la cohésion sociale, dans son milieu extrêmement pauvre de quartier, etc. La rage, la hargne qu'on peut avoir dans la même ville, quelquefois à quelques centaines de mètres, d'avoir la consommation opulente et voir rien. Deuxième chose, c'est l'imaginaire sur la métropolisation. J'aimerais bien savoir ce que pense Jean-Michel Séry de la réforme aujourd'hui. En plein cours, parce que même en Ile-de-France, on a l'impression qu'il y a juste la métropole, le nouveau Grand Paris, le Grand Paris. Mais, et au-delà, qui est-on quand on est au-delà? On est out, on finit avec quelque chose d'assez extraordinaire sur la manière de concevoir le territoire aujourd'hui et couper la réalité. La troisième chose, c'est sur la justice et les finances, la question de la finance. Est-ce que vous n'avez pas les uns et les autres l'impression que le discours sur la finance, c'est l'ennemi? Est-ce qu'il y a pas une guerre assez radicale et que ce sont les moyens politiques pour la reprise en main des outils financiers? Ça se dit, mais qui le fait? Comment peut-on le faire? Je ne vois pas d'horizon de ça. Et puis une dernière chose, c'est la cohérence du quartier face à une France post-coloniale. J'ai l'impression que ce qui manque aujourd'hui, et moi j'ai tendance à dire, habitant en grande banlieue sud, et à Corbeil-Essonne très précisément, que nous sommes les plus civilisés de ce pays, dans ces grandes villes, ou ces villes de banlieue, où se mélange l'histoire des régions du monde depuis 50 ans. Nous sommes les plus civilisés, pas les gens du 16e. Mais où est le discours politique prospectif qui trace une perspective sur ce qu'est la France postcoloniale, ce qu'est la France aujourd'hui qui se construit, issue des indépendances? Merci. Sur la finance, on a le cheval de Gaulle. La Congrès contre la finance, mais sans doute tu voudras répondre. Je vous propose qu'on prenne une série de questions, puis qu'après, les intervenants répondent. Bonjour Francine. Donc j'ai premièrement une question en fait, de méthodologie. Je suis en retard, donc si jamais vous en avez parlé, vous me dites qu'on en a déjà parlé. Il y a une question de méthodologie par rapport au rapport
prospective 2025 sur les perceptions des gens, en particulier sur l'avenir et l'éclatement de la société, etc. Est-ce que dans les critères que vous avez analysés, il y a une dimension territoriale? C'est-à-dire que c'était dans tel quartier qu'on est pessimiste, ou bien dans telle ville, etc. Et je dis ça pourquoi? Parce que je pense que, y compris sur comment on construit des réponses, on est confronté, enfin, Cécile l'a évoqué, à des dimensions territoriales. Et moi, je pense, j'ai comme exemple dans la tête la ville de Laon, c'est-à-dire toutes les villes intermédiaires qui ont ces préfectures, où il y a Pierre-Picardie, je passe sur les exemples que j'ai dans les villes type Ardennes, où il y a vraiment des fois plus rien. Mais Laon, c'est un des cas les pires pour moi, c'est-à-dire que c'est une sous-préfecture qui tient encore, parce que quand on se balade en hauteur, on a les services du rectorat, les services des impôts, des choses comme ça, donc ça tient encore, et toutes les boutiques sont à vendre. Bon. Et je pense que c'est encore en train de se poursuivre. Donc j'ai une question sur une dimension, parce que dans les indicateurs d'enquête, vous avez une dimension territoriale pour jauger s'il y a des différences entre les endroits où les gens se situent. Et ensuite, j'ai une question. Excuse-moi. J'ai une question, enfin une remarque. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Cécile sur le rapport à la jeunesse, sur les gens, les générations, et que les gens nés après 73, effectivement, ils ne peuvent pas croire à un discours sur la croissance parce que ça n'a jamais existé. Bon, et un peu tout ce que tu as dit. Mais du coup, je pense que. Et donc, le problème, c'est comment nous, on construit notre discours, y compris avec un discours de vérité. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra trouver d'autres solutions. On ne pourra pas retrouver le modèle ancien, enfin, toutes les questions nostalgiques. Mais je fais une remarque quand même, c'est que les dernières années, on a tenu un discours sur la croissance verte, en disant, y compris par rapport à Hollande, vous n'y allez pas assez fort, il faut mettre des moyens, etc. Et je pense qu'il faut faire très attention, et y compris un petit peu infléchir nos discours. La croissance verte, ok, il y a des emplois verts qui sont absolument sous-estimés, mais ça ne sera jamais autant qu'avant. C'est-à-dire, je crois que du coup, il pâtit un peu le discours, parce qu'on ne retrouvera jamais les grands emplois industriels, qui existaient entre autres justement dans les endroits type Ardennes ou Picardie. Et donc, il faut faire très attention à ne pas mentir aux gens. Oui, il y a des emplois à créer qui sont probablement suffisamment créés, mais ça ne reconstituera pas la société qu'il y avait avant. Merci. Alors, en tant que témoin de ces journées d'été, je peux vous dire que la question territoriale est omniprésente dans l'ensemble des ateliers et forums et plénières auxquels j'ai assisté. Vraiment, il y a une question, en tous les cas chez nous, très forte là-dessus. Pascal, pourquoi tu voulais poser une question? Oui, alors le problème, c'est qu'il y a un peu que des hommes, là, donc il faudrait qu'il y ait un peu des femmes aussi. Puisque nous avons un principe qui est, je vous le rappelle, la fermeture. Oui, Pascal, militant de base. Alors, l'avantage, puisque j'ai 40 ans et un jour, comme beaucoup de gens le savent ici, c'est que je suis un enfant de la crise, exactement. Je suis un enfant de la crise, puisque je n'ai pas connu la période précédente. Et je voudrais qu'on s'interroge sur le mot crise. Est-ce que c'est encore un mot qui raconte une histoire, qui produit une analyse dans laquelle les gens se retrouvent, puisque je suis né en 74, Cécile un peu après, je crois. Et donc, nous n'avons jamais connu autre chose que la crise. Et donc, quand on est dans une crise qui dure 40 ans, à un moment donné, est-ce qu'on peut encore l'appeler crise? Voilà, je voudrais qu'on questionne ce mot, parce que j'ai l'impression qu'on se laisse enfermer dedans, qu'il produit de moins en moins d'analyse, de sens, et que du coup, on est piégé nous-mêmes. Le deuxième mot sur lequel je voulais intervenir, c'est la question de l'identité. On voit bien, j'ai assisté hier à l'atelier sur l'opinion des écologistes, que, y compris au sein des sympathisants de gauche, la question de la France est menacée dans son identité par la mondialisation économique, la mondialisation culturelle, par l'Europe, tout le monde sait ça, est de plus en plus prégnante. C'est une évidence pour les sympathisants d'extrême droite, c'est même peut-être le cœur de ce qui les fédère, c'est de plus en plus fort à droite et c'est même de plus en plus fort à gauche. Et dans les sympathisants des écologistes, eh bien, c'est exactement le contraire. On est les seuls dans la société française à dire non, il n'y a pas de problème d'identité, elle n'est pas menacée, puisque une identité cosmopolite, une identité multiculturelle, une identité plurielle, ça nous va très bien dans notre vision du monde, de nous, et donc la France s'inscrit là-dedans, ça va très bien.
j'ai l'impression qu'on est ultra minoritaire là-dessus. Et donc je voudrais savoir stratégiquement, à la fois à court, moyen et long terme, est-ce qu'il faut qu'on se saisisse de cette question de l'identité qui est de plus en plus prégnante dans le débat politique, et apporter notre vision de qu'est-ce que l'idée, l'identité de la France dans 10 ans, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on considère que ce mot, de le cadre de l'identité est profondément réactionnaire, puisque quand vous vous posez la question de votre identité, vous êtes sur vos racines, vous êtes sur le passé, vous n'êtes plus sur les rapports de force, vous n'êtes plus sur l'analyse du capitalisme, vous n'êtes plus sur... C'est quelque chose qui est profondément perdant pour un discours de progrès. Et donc il faut au contraire combattre le discours identitaire sur l'identité en soi. Et ça, c'est notre choix, c'est une question stratégique, politique, qui me semble déterminante pour les mois qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Après, on laisse le temps à la réponse. Eh bien, il y a Yves, Antoine et Victor, il n'y a pas de femme, je cherche une femme, mais bon. Oui, où sont les femmes? Voilà, bon, Emmanuel Lemaire nous a dit qu'une des deux opinions optimistes des Français, c'était la santé. J'aimerais une petite précision. Est-ce que c'est la santé dans le sens amélioration de la qualité des soins, la technologie médicale, etc. Ou bien est-ce que quelque part il y a une idée de prévention là-dedans? Voilà. Et puis une autre question concernant bon, quel est l'avenir des recherches pour aboutir à un autre indicateur que le produit national brut? Merci pour cette question courte. Yves? Bonjour, deux éléments de question. D'abord sur le moyen long terme et le très court terme. Moi je suis frappé de voir qu'il y a des éléments qu'on ne met jamais en avant. Je donne juste deux chiffres. Le stock d'épargne en France, c'est 3500 milliards d'euros. L'augmentation de l'épargne au premier trimestre 2014, 17 milliards d'euros. C'est pas les pauvres, c'est pas les 12 millions qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas. 17 milliards en un trimestre d'augmentation de l'épargne. Donc 11 milliards liés à la seule spéculation. Vous imaginez, si on prend 1% de cette épargne, le problème de la dette est réglé. 1%, le problème de la dette est réglé. Quasiment. Hein, c'est rien du tout. Mais où est la volonté politique? Donc je veux bien qu'on parle de très long terme, etc. Et quand on dit les générations futures, la durée moyenne de la dette, c'est 7 ans, hein, en France. C'est pas 30 ans, c'est pas 40 ans. Donc il faut aussi dire la vérité qu'il y a énormément d'argent, mais effectivement, comme ça a été dit, réservé à un tout petit noyau. Donc osons dire qu'effectivement, il y a ce premier élément. Deuxième élément, sur la responsabilité de l'État. Il suffit de regarder le bâtiment 6, le bâtiment de l'État. Hein. Enfin, c'est dramatique, quand même. Regardez un peu l'état de l'université. C'est pas pour tous les bâtiments publics, tous les bâtiments de l'État, globalement. Et la loi Grenelle 2, qui dit moins 38% de consommation dans les bâtiments d'État, à horizon 2020. Le décret d'application n'a jamais été publié. Jamais. 4 ans après. Le résultat, c'est que les travaux n'ont jamais commencé. Parce que personne n'est capable de dire sur quoi doivent reposer ces travaux. Donc la responsabilité politique de l'absence de mise en œuvre, elle est où? Elle est bien dans les politiques qui ne veulent pas mettre en œuvre des décisions qui ont été prises sur le moyen et long terme. Alors, on peut faire une prospective à 10 ans. Si au bout de 4 ans, on n'a toujours pas sorti le décret qui permet d'avancer, dans 10 ans, on n'aura pas beaucoup progressé. Antoine, alors comme je connais, j'ai quand même bossé avec Thierry Godin, on a bossé sur les rapports de prospective 2100, je pense que j'écoute tout ce qui se passe au Collège de France, je vais vous donner quelques petites informations, pas polémiques, sur le penser le futur, je pense avoir, je crois, Thierry, le rapport de Thierry Godin, c'est déconné, dit qu'on est en train de passer d'un changement vers de matière énergie dans temps vivant. Les questions centrales vont être les questions du temps et du vivant, et plus les questions de matière énergie. On est en retard sur plein de sujets. On a parlé tout à l'heure des Fab Labs. En 15 Fab Labs en France, 15, on en a 15 à Barcelone, 150 à Shanghai. On est très en retard sur un certain nombre de sujets. Les Fab Labs, c'est des trucs qui vont demain nous fabriquer des organes. Dans 20 ans, on va pouvoir fabriquer à domicile des reins, les gens pensent, des organes artificiels. Les métiers vont disparaître, c'est ce que pense Stigler. Il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer. Donc on est obligé de travailler sur le long terme, pas que le moyen terme.
Et moi, je vous invite à regarder le rapport de Thierry Godin, Prospective 2100, parce qu'on ne s'est pas tellement trompé. Il a été écrit en 90 et il a donné des choses. Et ça, les choses sont en train de s'accélérer. Stigler dit on est dans la fin du travail. C'est la fin du travail. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'avocats, plus de médecins. On est dans un changement fondamental. Les réseaux vont remplacer. Les réseaux, il y en a qui pensent que les réseaux vont remplacer les institutions. Je pense qu'en tant que politique, on doit dire quelles sont les institutions qu'on doit créer pour faire face à la démocratie, effectivement, citoyenne. Ça va se passer dans les 20 prochaines années. Ce sont des questions fondamentales. Pascal posait la question de l'identité. Julia Kristeva disait l'identité, l'Europe, c'est le seul pays où la question de l'identité est un problème. Je pense que nous devons réfléchir à partir des questions de ces intellectuels qui nous engagent. Le travail, l'identité, bien sûr, la répartition de l'échelle. Je vais vous donner un exemple. Je vais citer un truc du Collège de France, qui me paraît vraiment intéressant. Le paradoxe d'Isterlin. Depuis le 19e siècle, c'est le revenu par habitant qui augmente. Si on mesure l'effet de croissance sur le bien-être, il y a stagnation. Donc il y a des gens qui ont fait des travaux et qu'il n'y a aucun effet de la croissance sur le bien-être. Ça, pour les écolos, c'est un truc fondamental. Et je pense qu'on devrait aller acquérir plus d'informations auprès des gens qui bossent vraiment sur le futur pour l'injecter dans notre vision politique. Jean Pisani-Ferry, dans son rapport, l'explique très bien, enfin, par ailleurs, qu'il y a un décrochage justement entre croissance et indicateurs de bien-être. Alors, je vous propose de répondre à ces questions qui sont larges, diverses et parfois précises aussi. Donc, je ne sais pas, je vous passe la parole. Je me suis auto-attribué une petite partie, rassurez-vous, des questions. Sur la partie méthodologie des enquêtes, comme ça vous en serez soulagé. Il y a effectivement, dans les enquêtes qui ont été menées, des analyses territoriales, et notamment sur la question du périurbain. Le rapport de l'enquête qui a été confié à nos confrères de BBA est d'ailleurs accessible en ligne. Il montre bien qu'effectivement, sur certains des aspects de ces inquiétudes françaises, notamment sur l'avenir des services publics, il y a quelque chose de spécifique à ce qui a été défini comme étant le périurbain. Sur la crise, la question de Pascal Canfin m'a rappelé effectivement ce qu'on avait entendu dans les études qualitatives qu'on avait faites en 2008, où les gens avaient l'impression qu'en fait, la crise, c'était leur contexte permanent, mais qu'enfin, les élites s'en rendaient compte. Une espèce de soulagement. Ça y est, ils ont enfin compris quelque chose, et ils ont été chahutés eux-mêmes, quelque part presque jouissif. Mais donc, effectivement, le mot est bizarre, parce que une crise, c'est un moment dans le système. Et ce tel que ressenti par les gens, c'est une espèce d'état de fait qu'ils ont le sentiment d'avoir toujours connu. Sur la question de la pauvreté et l'identité qui me paraissent un petit peu liées, on interroge des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont en RSA, en problème. Moi, ce qui me frappe et ce qui me terrifie, c'est que je les entends, je vais peut-être me tromper, mais je les entends beaucoup moins s'indigner des vitrines de luxe, des centres-villes dans lesquels ils vont peu, que des comportements de leurs voisins. De la famille qui a eu son logement HLM, comme moi, mais pas comme mon beau-frère, qui ont finalement le mérité mieux. De celui qui donne le sentiment de profiter du système, de celui qui va manger ou prier autrement. Et ça, ce qu'on a beaucoup commenté, le clivage peuple-élite, à nouveau, et nous on sent monter un clivage au sein des catégories qui ont les mêmes conditions de ressources, de vie, qui vivent dans les mêmes quartiers, une espèce de tension, de proximité, qui me semble en plus avoir son débouché électoral, donc je ne crois pas me planter. Et sur cette question-là, évidemment, la question de l'identité n'est pas loin, et là, on est sur un vrai schéma de courage politique, parce que le français, quand on interroge la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le fait tous les ans sur les enjeux du vivre ensemble, du racisme, de l'homophobie, etc., il a un prisme dominant quand même qui est assimilationniste. Ok, venez de partout, mais adoptez nos modes de vie, nos comportements, y compris nos habitudes vestimentaires. Face à ça, j'ai le sentiment que la gauche et l'autre partie de la gauche à laquelle
à laquelle vous êtes associé souvent, que vous connaissez bien, ils ont un tout petit peu le sifflet coupé depuis 2002. Et du coup, les propos qui ont été tenus sur le multiculturalisme, le mot cosmopolite par exemple, un mot qui fait hérisser les poils sur les bras de beaucoup de responsables socialistes. Hein. Et c'est un vrai problème, parce que les sympathisants de gauche savent très bien quelle est la parole de gauche sur le sujet. Et en même temps, effectivement, ils disent que quand même il y a un problème avec l'islam. Donc il y a un fort sentiment négatif en France à l'égard de l'islam qui est effectivement loin d'être limité aux électeurs de droite. Et donc c'est la plus grande partie de gauche, hein, sur 1000 personnes qu'on interroge, il y a à peu près 200 sympathisants socialistes, 50 sympathisants écologistes. Donc c'est vrai qu'il y a une différence sur cette question-là, mais que les plus nombreux parmi les sympathisants de gauche ont un profond malaise par rapport à ces questions-là. Et donc ils ne sont pas irrécupérables, mais ils ne sont pas pris en charge. Et très rapidement sur la question de la santé. Ce qui fait dire aux gens que ça va mieux sur la santé, c'est principalement les progrès techniques, le sentiment qu'on soigne mieux, qu'on invente des choses qui soignent mieux, et un indicateur qui est l'allongement de la durée de vie. Dont ils pensent d'ailleurs que ça va perdurer, et on fait d'autres travaux pour le ministère de la Santé sur la question de la prévention, qui intéressent beaucoup les gens, effectivement. Et les Français se disent assez facilement qu'à travers la prévention, on a un moyen d'avoir une amélioration pas trop coûteuse de l'état de santé de la population. Puis, dernier point. Sur ce qu'a dit Philippe Lambert sur la question des politiques qui doivent être consenties sur le registre de l'efficacité et de la légitimité. Moi, j'ai entendu cette semaine quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur un travail qualitatif qu'on faisait, aux gens quels efforts ils étaient prêts à faire, y compris fiscaux, les gens disent c'est fini, maintenant ça y est, on a suffisamment donné. Puis quelqu'un dit ou alors, on choisit où ça va. Ce souhait de traçabilité de la participation, qui est une autre forme de l'affirmation de l'individu par rapport au groupe, ces mécanismes lourds. Alors ça va bien avec les budgets participatifs, je pense que tout ça vous va très bien, mais je trouve que ça pose tout un tas de questions. Ça veut dire qu'on a vraiment tellement plus confiance aux élites qu'on veut choisir soi-même où va son argent. Et que sinon on dit, il est hors de question que je donne un sou de plus à ces gens qui font n'importe quoi avec mon argent. Ce qui se passe en Grèce. Un des éléments du comportement fiscal des Grèces, c'est ça. Mais ça pose aussi les questions du rapport finalement aux politiques. Il y a quelqu'un, vous retrouverez qui a dit la fiscalité écologique ne doit pas être punitive. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez du même. Moi je pense que c'est déjà old school de présenter juste comme ça, parce que c'est encore dans un rapport maître-élève. Et je pense que si on se projette dans 10 ans, on devra de plus en plus avoir des politiques qui sont consenties, c'est-à-dire qu'on entend ce dont il s'agit, qu'on comprenne la finalité, qu'on adhère au mécanisme, qu'on croit effectivement à l'efficacité, et que c'est comme ça qu'on arrivera à faire cette résilience dont parlait Philippe Lambert, mais aussi à faire changer les comportements, ce qui est crucial parce que beaucoup de nos politiques publiques ne fonctionneront que si les gens changent de comportement. On devait libérer la salle à 10h30, ce qui est 10h37, et c'est pour ça que je mets un peu de pression, voilà, Cécile. Moi, je vais très 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 rapide. Je disais à mon voisin en disant, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Imaginons que sur sa déclaration d'impôt, on choisisse que 10 ou 15% des impôts qu'on va payer, on puisse dire, ça va pour la transition énergétique, ça va pour la lutte contre la pauvreté, qu'on puisse choisir. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir à des facultés effectivement, d'adhésion aux politiques. Dernier élément d'exemple sur le sujet, il y a eu une expérience qui a été menée aux États-Unis sur un quartier où la perception d'impôt était très très difficile et où sur le même quartier ils ont fait 3 types de courriers. Un type de courrier très menaçant qui disait que si l'impôt n'était pas bien déclaré, etc., etc., ils allaient avoir telle amende. Un autre type de courrier qui disait « Vous payez pas bien vos impôts dans ce quartier et c'est pas une bonne chose parce que les impôts ça sert à ci et ça et ci et ça. » Et un troisième courrier qui disait « Nous tenons à vous indiquer que visiblement il y a un problème dans vos déclarations d'impôts. On vient vous signaler que dans votre quartier, en moyenne, les gens payent tant et le délai de règlement est de temps, etc. etc. » Et c'est le troisième courrier qui a été le plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment la volonté d'avoir le sentiment qu'on est
égaux quand même et que on crée de l'adhésion parce que d'autres adhèrent. Et donc je pense que pour moi c'est l'enjeu essentiel effectivement dans l'intervention du modèle, ni une vision très autoritaire, ni une vision individualiste, mais l'idée que d'autres comme soi-même participent, et j'ai cité hier soir dans notre discussion de préparation un exemple qui moi m'a marqué à vie, c'est dans la banlieue de Dijon, un quartier de rénovation urbaine où il y a deux places qui ont été faites, une première très jolie dessinée par un paysagiste qui ne vit pas du tout, et une deuxième dans laquelle la paysagiste, une Québécoise, a travaillé avec les habitants à la définition du projet et à la réalisation des travaux. Alors avec des complexités de marché public hallucinantes, parce que les gens qui font les choses bénévolement, etc. Et 5 ans après, il y a une place qui reste vide, et l'autre place qui est un lieu de vie absolument permanent, ultra respecté, pas du tout habillé, et que les gens ont été considérés dans la construction du projet, dans son élaboration, et aussi dans sa vie. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose autour de la considération des politiques à l'égard de ceux qu'ils sont censés gouverner, et que cette gouvernance partagée, finalement, c'est une garantie pour que tout le monde aille mieux. Merci, je vais être évidemment télégraphique. Donc quelques points. Pauvreté, inégalité. La France n'est pas le pays où la pauvreté est la plus forte. Mais la France est un pays aujourd'hui dans lequel on laisse se développer des inégalités d'accès au savoir, d'accès à l'emploi, d'accès au logement. Donc c'est moins sur le monétaire et c'est plus sur ces facteurs d'inégalité d'accès. Il me semble que notre performance est particulièrement mauvaise. Donc, et le problème de pauvreté monétaire, c'est que ça se fait par de la dépense publique et ça pose le problème ensuite de la question de savoir si on peut soutenir ça. Donc il me semble que si on travaille à 10 ans, il faut plus essayer de travailler sur la racine des inégalités et sur la manière dont on peut travailler. Deuxième point, sur le débat métropolisation, ville intermédiaire. Bon. Nous, le pari qu'on prend, enfin la position qu'on prend, c'est que la métropolisation, c'est un phénomène qu'on observe partout, hein, la question se pose dans tous les pays, la grande ville est une structure efficace. C'est une structure efficace du point de vue environnemental, c'est une structure efficace du point de vue des interactions. Parce qu'aujourd'hui, l'économie moderne, c'est une économie d'interaction. C'est beaucoup moins une économie de grandes structures verticales, c'est une économie qui se fait avec des contacts, des interactions, d'un écosystème. Et ces écosystèmes, ils vivent mieux dans les métropoles. C'est très, très frappant de voir, quand on est en France, que les métropoles vivent beaucoup mieux aujourd'hui, pas simplement parce qu'elles concentrent des richesses, mais aussi parce qu'il y a du dynamisme, que ces villes moyennes dans lesquelles l'écosystème n'existe plus, et donc ça tient effectivement sur ce que tu disais de l'an avec la sous-préfecture, etc., qu'on observe des tas d'endroits en France. Donc la question, c'est comment on répond à ça. Il me semble qu'on ne peut pas répondre avec les politiques traditionnelles consistant à dire on va remettre de l'activité économique partout. On ne sait pas faire, simplement. Et puis simplement, les gens bougent, hein, parce que ces villes aussi, elles vont mal, parce que les gens qui ont la capacité de bouger, les gens qui ont un diplôme, ils bougent, ils vont rejoindre la métropole dans laquelle il y a des emplois, il y a des activités culturelles, il y a toute une série de facteurs qui les attirent. Donc il me semble que la réponse à ça, c'est plus de dire, essayons de construire, de miser sur les métropoles, de construire autour des métropoles, de la diffusion de la croissance. Il n'y a pas de redistribution simplement par la voie fiscale, par la voie de la dépense, et de la diffusion des bénéfices de ces pôles qui sont des pôles de prospérité. Et ça ne se fera pas par l'échelon national. Ça, c'est, pour moi, c'est ça l'enjeu de la réforme territoriale. Si on réfléchit à ce quel doit être cet enjeu, c'est ça. C'est d'avoir des régions qui sont capables d'avoir des politiques de développement qui entraînent, à partir de pôles de prospérité, une prospérité plus large pour des villes qui sont... disons, pas en elles-mêmes, des ça veut dire des réseaux de transport, ça veut dire des questions de sous-traitance, et d'autres choses comme ça. Question de l'identité, qui se lie à la question qui était posée sur la France postcoloniale. Moi, je crois absolument qu'il faut s'en saisir. C'est-à-dire que le choix, c'est entre une identité régressive et une identité qui se construit sur autre chose. Et quand on dit ça, notre vision historiquement de ce que c'est qu'être français, ce n'est pas une vision ethnocentrée. Enfin, l'État des pays qui a une vision de sa propre identité, qui se construit par rapports successifs, qui se construit par... C'est quand même... La notion de la nation, c'est un plébiscite permanent, c'est quand même quelque chose d'absolument formidable.
Et on est un des pays pour lesquels qui a construit son identité là-dessus. Donc je pense qu'on a un fond philosophique, qu'on a un fond historique sur lequel on peut construire. Mais à condition de se saisir de cette question de l'identité et de ne pas la laisser être reprise par ceux-là seuls qui en ont une vision régressive. Alors, bon, question c'est peut-être une préagir là-dessus, hein, l'identité européenne. Je pense qu'aujourd'hui, pour toute une série de raisons, l'identité elle se construit d'abord autour de l'innovation. J'ai le temps de dire encore un mot ? Non. Je voudrais réagir sur la notion d'état stationnaire. Je ne pense pas qu'il faudrait raisonner sur l'état stationnaire. C'est un des accords avec les filles. On n'est pas dans un état stationnaire. On ne sait pas quel est le rythme des mutations, on ne sait pas quelle est l'ampleur des mutations. On voit bien qu'il y a des mutations, c'est des mutations considérables. Donc, je pense qu'il faut qu'on raisonne sur des systèmes qui sont résilients par rapport à différents types de développement, par rapport à différents rythmes de croissance. Et ça, c'est effectivement toute une adaptation qu'il faut faire, cette résilience par rapport à une incertitude sur le rythme de développement. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un état stationnaire. Très rapidement, juste, deux sujets, mais très rapidement, dans la question de la précarité, la question était posée de savoir s'il y avait des indicateurs, si on la comprenait. Je me place dans la situation de l'entreprise publique de distribution d'électricité qui dispose de toutes les informations concernant l'alimentation des 35 millions de foyers en France. Et nous avons mis en place un outil qui croise l'ensemble des données de consommation électrique, de fiscalité, de logement, de transport, et qui permet de mieux comprendre la précarité à la maille du quartier, à la maille Iris. Alors, je n'ai pas vu dans le rapport ces éléments-là, mais je pense que c'est important, effectivement, de comprendre, pas seulement la précarité énergétique, mais la précarité au sens large, comment elle évolue, comment elle se construit, les familles monoparentales, les vieilles personnes qui n'osent pas dire qu'elles n'arrivent plus à payer. Et bien entendu, on tient ça à disposition de France Avenir pour que, justement, enrichir le débat. Donc, je voulais le dire parce que ça me semble important. Deuxième point, il y a eu des questions autour. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Cécile sur le fait que ce rapport parle de la croissance. Il y a un domaine dans lequel les investissements ont décru de façon constante depuis 15 ans, c'est sur les infrastructures. Et les infrastructures de transport énergétique, les ports, les aéroports, les universités, on vient de le voir ici, et la question de l'épargne qui est accumulée. 3 500 milliards d'épargne cumulée en France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait mobiliser cette épargne populaire pour autant qu'on donne de la visibilité sur l'utilisation de cette épargne. Bon, toutes les grandes infrastructures ont fait l'objet maintenant de privatisation, de cotation en bourse, mais si on revenait à un système où on redonnait aux Français la possibilité d'être actionnaire de ces sociétés dans les infrastructures essentielles, vitales, celles qui redonnent de la compétitivité, de l'attractivité au territoire, le numérique par exemple, qui permet d'attirer des PME, des PMI partout sur le territoire, et si on rendait les investisseurs privés actionnaires de ces sociétés, on pourrait mobiliser beaucoup d'argent pour donc qu'on leur dise pas « vous en faites pas, c'est vos impôts qui vont financer, mais vous allez pouvoir investir de façon mutualiste, coopérative ou autre, dans telle ou telle société, sur des infrastructures qui vont être essentielles, des hôpitaux, des universités, des routes, le numérique, tout ce qui est essentiel pour permettre justement de redonner une dynamique à la France. Bien, alors aussi en style télégraphique, je vais commencer par la question sur où en sont les travaux sur les indicateurs alternatifs. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Il y avait au début de la législature précédente à l'Union européenne un projet qui s'appelait Beyond GDP, c'est-à-dire aller au-delà du PIB, qui a très vite été rebaptisé le PIB et au-delà. Autrement dit, combien de ce qu'on a, et puis on va regarder s'il y a d'autres choses. Mais je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète, ce projet est un petit peu la marotte de quelques hérétiques, mais au Vatican de la pensée unique, c'est-à-dire la Direction générale économique et financière de la Commission et sa copine, la Banque centrale, il n'y a que des orthodoxes. Et donc, rassurez-vous, le PIB est encore de beaux jours devant lui. Et donc là-dessus, bien sûr, il y a des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître. Quand je parle d'état stationnaire, je précise ma pensée. Si, enfin, c'est l'ingénieur qui parle, c'est pas l'économiste, mais nous vivons dans une enveloppe physique
limité. Point. Et donc, l'équation de la vie humaine sur cette planète est une équation qui est du type optimisation sous contrainte. Et donc, à un moment, la contrainte empêche la croissance matérielle. Donc, si on peut dématérialiser intégralement le PIB, tant mieux. Sauf qu'on ne l'a jamais observé. Jamais. On n'a pas le début du commencement d'un PIB dématérialisé. Et donc, dès ce moment-là, eh bien, une croissance, même faible, est de nature exponentielle. Et une exponentielle dans une enveloppe fermée, ça ne marche pas. C'est une réalité physique, et il va falloir apprendre à vivre avec ça. Sur les tensions entre pauvres et riches, c'est évident que ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas la révolution du 9-3 contre le 16e arrondissement, parce que tout simplement, ils ne vivent pas ensemble, on l'a dit. Les territoires sont ghettoisés. Et donc forcément, si je suis précarisé, je vais d'abord me révolter contre mon concurrent direct. Et qui est mon concurrent direct? Ben celui qui est un peu moins précarisé ou un peu plus précarisé que moi. Et donc, et puis il est à côté de moi. Alors que l'autre, il faut que je traverse Paris pour aller le chercher. Néanmoins, ce que je pense, c'est que si on laisse cette dynamique d'inégalité aller de l'avant, ce sera la rupture de continuité, c'est-à-dire l'explosion et donc la violence. Et ça, je ne pense pas qu'on est vacciné contre ça. Ceux qui disent que non, on est des gens civilisés en Europe, je pense que quand les inégalités sont trop fortes, eh bien, à un moment, le tissu social se déchire. Et donc, on n'a pas seulement, quand je parle d'optimisation sous contrainte, une contrainte environnementale, on a une contrainte sociale. Quand on dit trop sur le tissu social, il se déchire. Et l'instrument contre ça, ce n'est pas des politiques keynésiennes au sens de l'investissement public, ce sont des politiques fiscales. Alors moi, je suis d'accord avec Jean pour dire qu'il faut travailler sur les racines de l'inégalité, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il faut travailler sur, aujourd'hui, les symptômes de l'inégalité. Et là, la politique fiscale est d'une importance capitale. Capitale, aujourd'hui, la question fiscale, c'est qui paye et qui reçoit. Et quand on voit les réformes fiscales, les réformes dans la dépense publique, ce qu'on constate, et je reviens à la question de la justice des efforts, c'est que ce sont ceux qui sont au plus bas de l'échelle des revenus et surtout des patrimoines, qui contribuent le plus, et ce sont ceux qui sont le plus haut, qui ont le plus fort bénéficié de toutes les réformes fiscales. Donc on a fait des réformes fiscales anti-redistributives. Et de nouveau, on lisait Piketty, je ne sais pas ce qu'il vaut plus. Et là, on parle bien de francs et centimes, enfin, sorry, d'euros et d'eurocent, mais ce n'est pas uniquement l'accès à l'enseignement, etc. Donc il faut travailler là-dessus, absolument, mais ça ne nous permet pas de faire l'économie du débat fiscalité monétaire. Sur la croissance verte, dernière chose, il n'est pas interdit de parler des opportunités de création d'emplois dans les secteurs verts, et c'est pas pour ça qu'on est partisans de la croissance. Par contre, nous on dit qu'il faut faire moins de certaines choses, il faut faire plus d'autres. Et donc on n'est pas, si on dit qu'il faut faire moins d'automobiles, parce que c'est devenu invivable, eh bien il y a d'autres choses qu'on peut faire en plus. Alors est-ce que l'objectif c'est la croissance verte? Non. Mais je pense qu'un objectif de création d'emploi n'est pas tout à fait indécent. Merci beaucoup à tous nos intervenants. En dernière lecture, moi, je vous conseille vraiment de lire, en plus de tous les ouvrages dont on a parlé là, les livres d'Éribon et de Vincent Charlot pour comprendre un phénomène, à mon avis, central dans la société actuellement, qui est que durant les Trente Glorieuses, les luttes des classes, en quelque sorte, étaient vers les plus riches, c'est-à-dire que les pauvres s'adressaient aux riches pour obtenir d'eux quelque chose, alors qu'aujourd'hui, les pauvres se retournent vers les plus pauvres encore pour les dénoncer, et ça, c'est ce que Vincent Charlot appelle l'individualisme négatif, et je pense que c'est un phénomène profond contre lequel il faut lutter pour retrouver cette espèce d'idée que c'est vers les riches qu'il faut se tourner pour essayer de retrouver une égalité dans la société et non pas vers les plus pauvres. Voilà, bonne...